Taylor Swift est née le 13 décembre 1989. Elle a commencé à se faire connaître du grand public avec son titre Shake It Off et ses histoires sentimentales qui déclenchèrent son inspiration musicale. Née dans le nord des États-Unis, elle force ses parents à déménager pour Nashville afin de se faire connaître dans le milieu de la country. Cela fonctionne puisque dès ses 16 ans, elle se fait une place. Elle se fait remarquer notamment car elle est autonome dans sa production, c'est-à-dire qu'elle écrit et compose. Elle noircit des pages en parlant de sa vie, et bien que cela puisse lui être reproché, eh bien ça fonctionne auprès du public. Chacun peut se reconnaître dans ses confessions lyriques. Écouter sa musique fait entrer dans son journal intime et également permet à son public de transposer ses propres histoires au travers des mots de leur idole. Elle écrit sur beaucoup de thèmes et ses Swifties s'y retrouvent. Comme dans Belong With Me, où elle remporte le prix du meilleur clip. D'ailleurs, on se rappelle de la scène où Kanye West l'avait humiliée en la félicitant avant d'ajouter que Beyoncé avait l'un des meilleurs clips de l'histoire. Elle a vécu cela comme un traumatisme et devient peu à peu rigide sur le fondement de sa personnalité. Elle a de plus en plus besoin de se faire accepter du plus grand nombre en faisant ses preuves. Dans Saturday Night Live, elle se montre même très drôle en chantant une parodie sur elle-même avec sa guitare sèche. Elle entonne avec une petite voix une composition relativement drôle. J'écris le nom de mes ex dans mes chansons pour qu'ils aient peur de parler de moi dans la vie. En 2017, Reputation sort et comporte de nombreux hits. Elle s'en sort pour régler ses comptes. Bien qu'un véritable succès commercial, l'album ne sera pourtant pas récompensé. Ce à quoi elle rétorque qu'elle n'a qu'à faire en sorte que le prochain soit meilleur. En 2019, Scooter Braun, producteur, rachète les droits de ses chansons. Elle décide de rééditer chaque titre avec la mention Taylor Version. Elle confirme ainsi sa force de caractère et la fierté qu'elle ressent, même pour ses chansons les plus moquées. Son public lui est fidèle, car Taylor Swift a toujours exposé sa vie intimement sur ses réseaux avec ses fans. Elle se bat, se libère créativement et devient elle-même en 2019 avec Lover, puis revient à nouveau par la suite avec deux autres albums. Elle se rapproche de sa famille au travers de ses morceaux et parle moins de ses relations amoureuses. En 2022, elle annonce une tournée de 146 dates, The Eras Tour, dans le monde entier, en tout cas dans 20 pays. La star fait un show de plus de 3 heures et elle sera alors comparée aux plus grands, Michael Jackson, Madonna. La demande de billets est tellement forte que des milliers de fans se ruent autour des stades lors de sa tournée et elle injecte près de 6 milliards de dollars dans l'économie américaine. C'est la chanteuse qui a le plus de American Music Awards, plus de 40, et elle est l'artiste la plus streamée. Elle a été jugée comme une jeune fille fade et sans aucune saveur, puis s'est transformée au fur et à mesure du temps. Ses morceaux sont même étudiés en cours de musique dans les plus grandes universités. Taylor Swift reste proche de ses fans et invite les plus grands d'entre eux, leur envoie des cadeaux. Elle récompense leurs dépenses dispendieuses avec des rendez-vous. Elle est devenue particulière avec l'utilisation de nombreux symboles. Certains gays, fans de Taylor Swift, pensent qu'elle serait peut-être intéressée par les femmes.
des symboles numériques avec l'utilisation du 13, jour de sa naissance, et des bracelets de l'amitié. Elle crée une forme de communication avec ses fans. Taylor Swift a été accusée de pouvoir faire basculer les votes dans les prochaines élections aux États-Unis. Cependant, elle ne s'est pas prononcée sur ce sujet. Son conjoint est également un personnage qui a été controversé de par sa promotion pour le vaccin Pfizer contre le Covid. Une ingénieure de recherche d'une université commence à prendre la parole pour indiquer que la théorie selon laquelle Taylor Swift serait mêlée à des intérêts gouvernementaux n'a aucun sens. Malgré tout, un Américain sur cinq y croit. Le New York Times a publié un sondage indiquant que 18% des interrogés pensaient qu'il y avait un effort gouvernemental caché derrière Taylor Swift. 71% d'entre eux étaient des républicains, dont 83% étaient potentiellement électeurs de Trump. Le Super Bowl a aussi été un élément important autour de la chanteuse, plus de 100 millions de téléspectateurs. Cette concentration autour de cet événement et le lien entre son conjoint Travis et Pfizer ramènent sur le couple les théories sur les conséquences du vaccin et le grand complot. Ce couple est puissant et il dérange. Elle a dépassé le milliard de dollars. Elle est la première femme artiste à faire la une du Time et à être élue personnalité de l'année. Ses followers sont des millions. Elle a une véritable influence sur l'électorat, qu'elle le veuille ou non. Et elle est la représentation de la blonde américaine et son conjoint du sportif américain. Trump aimerait qu'il serait lié à lui, ce qui ne semble pas possible compte tenu de certaines convictions de l'artiste. On lui reproche même de secrètement avoir œuvré pour l'élection de Biden. Pourtant, selon l'analyse de certains professionnels de Taylor, ses idées seraient plutôt proches du clan trumpiste si on ne tient pas en considération des points primordiaux comme par exemple le soutien de la star pour l'interruption volontaire de grossesse que Trump, quant à lui, souhaite interdire. Ces clips comportent de très nombreux symboles qui sont existants et fondés dans certaines cultures ou religions, et cela n'en déplaise aux médias mainstream qui ont le complotisme facile. Il est toujours très étonnant de constater le besoin répétitif des icônes actuelles de s'entourer de traditions au culte sataniste. Ces chanteurs et chanteuses qui se mettent délibérément en scène avec des objets, des contextes, des paysages, des tenues, des gestes marqués par l'histoire de la sorcellerie et du satanisme n'ont-elles rien d'autre à offrir? Est-ce une obligation? Pourquoi se plaindre du complotisme lorsqu'on se donne autant de mal? Concernant Taylor Swift, il y a plusieurs théories du complot. Celui du complot politique, dans lequel elle travaillerait dans l'ombre pour l'État profond et dans une unité pour faire voter les gens pour Biden. Cela est une affabulation, mais a eu du retentissement et la porte-parole du Pentagone a même dû prendre la parole pour expliquer que cela était totalement faux. Bien évidemment, nous avons entendu parler de l'attentat de Londres sur ses enfants qui répétaient un spectacle sur des chansons de Taylor. Puis les menaces sur ses concerts en Autriche qui ont donc été annulés. Jouer avec les limites du blasphème de toutes les religions aurait pu être la motivation des terroristes. Ceux-ci ne cherchent pas à comprendre plus loin que ce qu'ils voient et pense que ces idoles sont responsables de la perdition de milliers d'âmes en leur faisant écouter et voir des messages
subliminaux appartenant aux ténèbres. Les victimes de la folie de ceux qui utilisent la parole divine pour ôter la vie ont droit à la justice et à la reconnaissance. Elles étaient si jeunes et si innocentes. Il est souhaitable que Taylor Swift puisse se remettre en question quant à elle concernant la responsabilité qu'elle a en tant que personnalité publique de ne pas colporter d'images blasphématoires et démoniaques. Ils sont nombreux à agir ainsi et il serait vraiment urgent de revoir le bien fondé de diffuser des images faisant l'apologie des ténèbres au lieu de se tourner vers la beauté, la mise en avant de valeurs plus saines, afin que les jeunes puissent s'identifier à des personnes valeureuses et positives.